Salut à tous. Salut à tous. Et ben, gamers2.fr, j'ai envie de dire. Bah, nouveau numéro de 10 minutes avec, j'ai envie de dire. T'as envie de dire aussi. Et vous, je sais pas si vous vous en rappelez, quand on a fait le 10 minutes avec Virtua Striker 2 version 2000.1, on vous disait qu'on sortirait la Dreamcast. Tout à fait. Pour se faire un autre petit jeu. Voilà. Et ce autre petit jeu. Pour commencer, déjà, celui-là, c'est Virtua Tennis 2. Et puisque... Version 2000. Virtua Tennis 2, parce qu'il y en a eu un premier, il y en a eu un 2. On a les deux, mais le 2 est quand même mieux que le premier. Oui, et puis on y a joué pas mal de fois quand même. On y a joué pas mal de fois. Donc voilà. Donc Virtua Tennis 2, petit topo, c'est un jeu d'arcade de tennis. D'ailleurs, il y a le 4 qui va pas tarder à sortir. Il me semble qu'ils l'ont annoncé. Je crois qu'il est annoncé pour début 2003. Non, ils s'en sont à combien ? Ah non, 2011 pour le 4, je crois. C'était le 4. Et donc, il l'avait... Le 5 ? Non, 4, je crois. Enfin bon. Bref. Il l'avait, il l'avait converti sur Dreamcast comme tout leur gros hit d'arcade. Donc, une fois de plus, qui prouvait que le Dreamcast, c'était pas une console de merde. Ouais, c'est clair. Et donc, là, on voit, parce que là, du coup, je me souviens plus trop des tennisman. Si, Cédric Pioline, mais est-ce qu'il joue encore, ce mec-là ? Non, depuis plus longtemps. Ah bah tiens, prends Kafelnikov, il a une bonne patate. Ah ouais, Kafelnikov. Donc, on pouvait choisir garçon ou fille, et il y avait des bons... Carlos Moya. Il y avait déjà une petite licence tranquille, quoi, puisqu'on avait... ça n'est pas jeune. Non, on avait que des joueurs du circuit professionnel. Ouais. Or ce jeu, comme... Kafelnikov. Ce jeu comme... On va jouer contre le petit français, tiens. Cédric Pioline. Ce jeu comme... déjà, je me souviens plus de ce que je voulais dire. J'ai joué en France. Voilà, il proposait déjà plusieurs surfaces. Et ce jeu comme Virtua Striker, voilà. Voilà, c'est déjà... On y a passé des des longs moments. Ouais. Enfin, moins que Virtua Striker. Pourquoi ? Dayton, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on y a joué moins longtemps ? Bah, peut-être parce que je sais pas y jouer. Voilà, et parce que... alors, ça, c'est le rare jeu, vraiment, mais peut-être même le seul, sur lequel Dayton ne m'a jamais battu. Jamais. Mais vraiment... Fois. Jamais. C'est pas un jamais, jamais. Ouais, parce que même sur FIFA 98, une fois j'ai réussi à te mettre une raclée. Ouais. Mais une fois. Mais celui-là, jamais. Mais jamais. C'est-à-dire, il m'a mis quelques points, peut-être un ou deux jeux à l'occasion. Mais grosso modo. Mais sans déconner, ce jeu, le jeu de tennis en général, j'ai jamais réussi à. À vraiment bien jouer. Bon, alors là, c'est moi qui joue. Mais ça veut rien dire, parce que contre un adversaire vivant. Donc Kafelnikov, le personnage je de. Je crois que c'était le plus fort du jeu. Ouais, de Dayton, c'est. Il est en bas. Donc il est déjà en train de mener. Alors je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais bien sûr que si, puisque la qualité est assez bonne. Ouais. Le rendu graphique d'une Dreamcast sur une télévision haute définition, c'est bien. Franchement, c'est bon. Franchement, ça a de la gueule. Et vous vous rendez compte quand même pour un jeu qui est sorti. De toute façon, aux alentours des années 2000, hein, aussi à peu près. Ah, l'enfoiré. C'est ça, c'est du 2000-2001 à peu près. Je pense, ouais, 2000. Mmh. Ouais. On va dire ça, début 2000. Alors qu'aujourd'hui, on est en 2010. C'était déjà graphiquement, c'était beau. Ah, oh, ça avait de la gueule. Et on voit vraiment que la bête, la Dreamcast, on avait dans les tripes. Hein. Ah bah... Enfin, on en a toujours, puisqu'elle fonctionne, mais... Sony leur a fait mal quand ils ont annoncé l'Emotion Engine. Ils n'avaient pas encore la console, ils avaient déjà annoncé que l'Emotion Engine, ça allait amener des graphismes de malade. Et la Dreamcast, ça l'a tué, ça. Et ça, et chez nous, bien sûr. Et ce qui est dommage, parce que rivalise largement avec... avec une PlayStation, ouais, regardez. Parce que même pour l'époque, pour ceux qui connaissent un peu, là, on a vu Cédric Pioline. Le visage était déjà bien. Alors, bien ils fait, avaient hein. fait un petit effort par rapport au premier, c'est que dans le premier, les mecs ressemblaient à des zombies. Ouais. Ils étaient livides. Oui, mais là on voit. Enfin, c'était le premier aussi sorti sur la console. Là, après, ils ont eu le temps de retravailler. Non, mais même en arcade, ils avaient des tronches de zombies, les mecs. Ah, ouais, c'est sûr. Bon, après, là, ils ont. Ils l'ont quand même amélioré et. Ah non, mais merde, je suis con. Et c'est vraiment. Enfin, je pense que toi, là, c'est toi qui as la manette en main, Dayton, et. C'est pas mal, non ? Non, mais c'est génial. La jouabilité est toujours aussi bonne. Ça, par contre, c'est super arcade. Hein. Donc, il faut pas s'attendre... À un top spin. À un top spin, exactement. Où vraiment, les coups sont réglés à la précision de tout ça, mais c'est pareil, c'est un jeu... Là, on a quand même coup droit, lift, et puis hop, quoi. Ouais. Et on peut changer de caméra, mais tu me montreras quand tu seras plutôt de dos. Bah ouais. Voilà, regardez. On peut jouer aussi. Alors là, c'est plus difficile, il me semble, hein, quand même un peu. Parce qu'on est beaucoup plus bas et puis alors là, il faut. Puis on voit pas la balle arriver tout le temps, quoi.
Mais c'est, le rendu est pas mal quand même, hein. Y a pas de... Ah, c'est pas mal comme ça. Alors plus on reste appuyé, plus les coups sont forts. Ouais, et ça, t'avais du mal à le comprendre quand on jouait tous les deux. Non, c'est, je l'avais compris, mais j'y arrivais pas. Et t'arrivais pas à placer la balle où tu voulais non plus, me semble-t-il. Alors ce qui est bien foutu, dans le côté arcade, alors là je vais essayer de le faire, c'est quand on est un peu loin, le joueur se jette. Et déjà en arcade, ça a des sensations, ce truc-là. Hop là, voilà. On se jette comme ça. Allez, hop. Et tout ça assez rapidement. Hein. C'est très fluide, ça répond très bien. C'est vrai que même si j'ai jamais vraiment réussi à jouer à ce jeu-là... Tu l'as toujours bien aimé. Voilà, c'est ça, on prend plaisir à y jouer. Parce que quand on joue contre toi et qu'on arrête pas de se manger les... Mais je me souviens que ce jeu aussi, déjà, à l'époque, quand tu l'avais, on jouait un peu avec le 10 sur ta Dreamcast. Et je lui mettais aussi des branlés. Ah bah moi je me souviens d'un 31, un 14 juillet. Il me battait pas, hein, il n'arrivait pas à me battre. Ouais, moi je me souviens d'un 14 juillet où tu nous as mis des quiches. Ouais. Alors on était trois chez le 10 ce soir-là et tu nous as mis des quiches à tous et le 10 il n'en a pouvait plus quoi, il voulait arrêter de jouer. Ouais, mais lui limite, ça aurait été sa console, je veux dire, je pense que la manette y passait. Bah non, je pense surtout qu'il disait on change le jeu. Ouais. Ah oui, aussi. Mais il appréciait, bon, ce gars-là appréciait pas forcément de perdre. Et là, c'est-à-dire qu'il gagnait pas du tout de nouveau, parce que sur ce jeu-là, sur cette soirée, c'est vrai que j'avais mis des quiches à tout le monde. Et du coup, il était un peu sur les dents. Exactement. Il avait envie de me mordre un peu. Bah, je crois qu'il avait surtout envie de te virer le matin. Ouais, il avait envie de me virer le matin. Mais c'est pas ce soir-là. Bah, le 14 juillet, si. Non, mais où je suis revenu chez lui le soir et il était pas spécialement content. Je sais plus. Ah merde, mais bon. Mais enfin, bon, ça c'est du private joke, personne ne pourra comprendre. Non, mais là, on peut. Ça, c'est même une. D'habitude, on est un peu friand d'anecdotes. Bon, il y en a eu quelques-unes là dans. Voilà, j'ai sauvé cette balle. Dans la vidéo, on vous a raconté une ou deux petites anecdotes. Mais là, celle-là, elle est. On peut pas la raconter parce que. Celle qu'on raconte en général, même si elles sont privées, voilà, mais celle-là, non. La décence nous interdit, et puis le CSA ne voudrait pas, de toute façon. Oui. Mais non, même là, vraiment, par respect pour lui, on ne peut pas raconter ça. Non, et puis de toute façon, c'est pas grave, on est là pour parler de jeu. De jeu. Recentrons-nous, s'il vous plaît, monsieur, le débat, c'est le jeu. Uniquement de jeu et un peu de cul à l'occasion. Ouais. Pas qu'à l'occasion. Pas que. Et pas qu'un peu. Enfin. Et je vous invite à aller sur l'émission de la semaine. Voilà. Enfin, permets-moi de te dire que le doute m'habite. Oui. Oui. Non, mais je sais. Donc, Virtua Tennis 2, c'est... Virtua Tennis 2. Ouais. Donc, il y avait un mode tournoi. Ah, si, on n'a pas parlé des petits jeux qu'il y avait. Ah, mais ça, c'était aussi beaucoup dans le mode... Vas-y, quitte. En fait, c'était dans le mode World Tour. Tu vas aller très vite, tu vas faire un new game. Il y a une mémoristique là, tu crois pas que t'as... Je sais pas si j'ai une sauvegarde. Fais continue, peut-être qu'il y en a une. Eh oui, il y en a une. Et donc... Donc, en fait... Non, même double, même single... Non, mais vas-y. Retourne tout map. Regarde, tu peux retourner, vas-y. Voilà. Et là, tu les as, regarde, en haut, par exemple. T'as le tank attack, disque shot, ça c'est les mini-jeux d'entraînement en fait. Donc il y avait plein de petits mini-jeux. Dans les à partir du Virtua Tennis 2 seulement, non? Dans le premier ça n'y était pas, ça je crois. Je sais plus, là franchement je sais plus. Donc enfin, en tout cas, dans celui-là, dans Virtua Tennis 2, en tout cas, ça c'est sûr puisque là on y est, il y avait un mode tour du monde dans lequel on enchaînait les compétitions. Ah mais je suis naze. On enchaînait les. Mais oh. On enchaînait les compétitions en fait pour gravir. Mais putain, attends, excuse-moi, mais. Pour gravir les échelons. Les échelons au classement, quoi, être le mieux classé possible. Et il y avait ces petites phases d'entraînement pour améliorer son personnage sur les volets, les coups droits. Enfin, tous les coups qu'on a dans le jeu. Et c'était à base de mini-jeux. Il va nous en montrer un autre, je crois qu'il y avait le bowling. Ah, exact. Sur les services. Il fallait faire des quilles, alors. Qu'est-ce que ça peut être? Non. Vas-y, va vers la droite. Descends. Les quilles sont en bas. Voilà. Oh, tu t'en souviens bien, toi? Bah oui, parce qu'en fait, je me souviens que c'est ma sauvegarde. Je sais pas si tu vois un peu le personnage, mais il a un peu blanc, la tête rasée, et je m'étais fait moi. Mais t'es pas black, toi? Avant, oui. Avant la prison, j'étais batteur... dans une équipe de baseball. Pour l'équipe des 49ers. Les 49ers, c'est ça. Puis la prison, ça change un homme, donc
je suis devenu blanc, quoi. Alors, pour ceux qui auraient pas, qui connaîtraient pas, enfin, je peux même pas le dire. Vous chercherez sur internet. Bah non, si vous connaissez pas. Et vous comprendrez de quel film est tiré cette petite phrase. Donc c'est, voilà. Cette vanne à l'envers, parce qu'elle est à l'envers en plus. Oh le strike. Oui, oh, à l'envers. Normalement, c'est un black qui dit qu'il était blanc avant la prison. Mais bon. Oh, 9. Bref. 9 pins. 9 pins. Oh, il a pris la 10e pin. Je l'ai poussé. Ça fait mal. Ça fait mal. Enfin voilà, donc un petit Virtua Striker sorti du carton, mais qui est pas prêt d'y retourner. Ah bah comme tous les autres jeux. Comme tous les autres jeux, parce que ça fait plaisir vraiment de, comme disait Dayton, de rejouer à ces petits jeux qui nous ont fait. Qui nous ont fait plaisir. Qui nous ont fait plaisir et sur lesquels on a passé de super moments. Pour lesquels on a des super souvenirs surtout. Voilà, ouais. Fail, c'est sur cette superbe échec qu'on va rendre l'antenne. Nous allons rendre l'antenne because this is epic fail. Et on vous dit à bientôt. À bientôt pour un prochain 10 minutes avec. Allez. Exact. Salut. Ciao.